Je suis en train de travailler sur le projet NIMB, ici dans la stratosphère, qui sera, le projet sera présenté au mois de mai. Et donc je le coécris avec James Ginsberg, qui travaille aussi sous le nom de Empty Set. Et c'est vraiment intéressant parce que tous les deux, on a une inspiration, une esthétique commune, avec beaucoup de noir et blanc, beaucoup de friches industrielles, de paysages un peu désertiques, un peu post-apocalyptiques. On sera sans doute dans un endroit aussi sans personnage, sans humain. Il y aura sans doute des traces encore de, peut-être d'architecture ou de technologie qui pourraient être apparentées ou qui pourraient avoir été créées par l'homme. On va essayer de perdre le spectateur, comme le spectateur est déjà perdu dans l'image et déjà comme ça au centre de cet univers un peu bizarre. On va essayer de jouer avec la timeline et de morceler et de mélanger passé, présent, futur. On aime assez l'idée de développer un univers, développer une esthétique sans forcément poser ses visuels dans le temps ou dans l'espace. Donc on va être sur quelque chose de plutôt intrigant, plutôt surprenant.